Hey, salut les gamers, ici Kane pour vous servir et on se retrouve pour un épisode un peu particulier. Comme promis, un vlog. Pour ceux qui suivent mes vidéos, j'avais parlé d'un vlog et on va parler un petit peu de l'avenir de la chaîne et de ce que va devenir l'héritage de Kane, Legacy of Kane. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser du temps que j'ai mis à faire sortir les vidéos, les dernières vidéos. Et oui, j'ai mis beaucoup de temps car effectivement ces derniers temps, j'ai déménagé, j'ai quitté la région parisienne pour me rendre dans une magnifique région qu'est l'Alsace. Donc je fais un coucou à tous les Alsaciens, tous ceux qui me suivent, et je fais un coucou à tous les amis de la région parisienne qui me suivent, et voilà, tous mes potes. Donc du coup, on va tourner à 2 épisodes à peu près par semaine. Je vais pas pouvoir faire plus parce que je suis vachement occupé ces derniers temps. Donc 2 épisodes, un de Nomad Soul et un de Vampire. Je vais essayer de les faire tourner assez correctement. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, parce que je fais des lives sur Twitch, tous ceux qui le savent, je suis sur Fallout 3. Donc Fallout 3 modé graphique et pas modé, j'ai pas changé le jeu, donc j'ai juste modé graphique. Ça va reprendre à partir de la semaine prochaine, donc ça va faire plaisir à certains. Et je vais faire aussi des lives, alors ça sera assez erratique. Alors sur Fallout 3, je vais essayer de prévenir dans la journée si je fais un live le soir ou peut-être la veille. Je vais voir, il faut que je m'arrange en fonction de mes activités. Ça sera sûrement des lives de 2-3 heures maximum, j'essaierai de pas faire trop long parce que je suis pas mal occupé. Et par contre, je vais faire un live, je vais faire sûrement des lives qui vont durer peut-être un petit peu plus longtemps ou dans le même temps à peu près, sur un autre jeu, mais je ne vous dis rien, je vous laisse la surprise. Donc je continuerai Fallout 3, hein, bien sûr, jusqu'à ce que je le termine, parce que c'est un jeu qui me fait vraiment plaisir et ça plaît énormément. Mais je vais faire aussi un live sur un autre jeu et je serai sûrement accompagné pendant ce jeu. Donc pour ceux qui me suivent, ils ont vu que j'avais fait aussi des lives sur Destiny, mais Destiny ça marche pas trop. Et puis en plus sur Twitch on est un peu noyé dans la masse. Là je pense que je serai noyé un peu dans la masse avec cet autre jeu aussi. Mais voilà, ça me fait plaisir de le faire et puis de le live en même temps, de voir la progression dans le jeu, ça pourrait être cool. Donc je spoil pas. Vous verrez ça prochainement, je lancerai live surprise et puis vous verrez. Après ça, une fois lancé une première fois, ça sera pas une surprise, mais au moins vous aurez vu un petit peu de quoi il en retourne. Alors oui, donc j'ai dit que je tournais sur 2 épisodes par semaine, alors sauf en août. En août, je pense que ça sera un épisode par semaine parce que je vais partir beaucoup, donc j'aurai pas mon ordinateur avec moi. Ça sera peut-être même pas d'épisode. Je pense que la première semaine d'août il n'y aura pas d'épisode et la deuxième semaine d'août il n'y aura pas d'épisode non plus. Donc voilà les amis, c'était le petit vlog des chroniques de Kane. Donc il y aura d'autres nouveautés sur les futures chroniques de Kane. On parlera de beaucoup de choses. J'ai pas parlé aussi du court métrage parce que pour l'instant c'est en cours. J'ai fait le rush mais j'ai pas encore travaillé dessus parce que je suis pas mal occupé. Mais je vais travailler dessus, ça sera un épisode 0. Cet épisode 0 sera un peu l'étalon des futurs épisodes d'horreur que je vais faire. Voilà les amis, c'est déjà la fin de ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour un futur Let's Play. Ciao !